Salut à tous, aujourd'hui une petite vidéo de présentation de l'ouvrage Massacre à la tronçonneuse, une odyssée horrifique, volume 1, écrit par Julien Cévéon. Donc j'ai pu récupérer ce livre lors de la séance de dédicace le 12 septembre à Metaluna. D'ailleurs un grand merci à Seb pour m'avoir permis d'utiliser des rushs de sa vidéo tournée sur place, donc vous aurez l'intégralité de la vidéo dans la description. Séance de dédicace durant laquelle, évidemment, j'ai fait signer cet ouvrage. Donc voilà, aimer les nôtres, tronçonner les autres, évidemment par l'auteur. Donc qu'est-ce que ce livre? Donc celui-ci c'est le volume 1, le volume 2 sera disponible milieu d'année prochaine. Donc ouais, ça fait longtemps à attendre, mais bon. C'est pas très grave. Donc celui-ci se consacre évidemment au premier Texas Chainsaw. Le volume 2 se consacrera à toutes les suites et remakes. Donc celui-ci que l'original de Tobe Hooper. Donc magnifique livre. Alors à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Évidemment, ça revient sur les origines, sur les problèmes avec la censure, évidemment. L'influence qu'a eu ce film sur le cinéma de genre. Donc c'est un... ça fait partie des tout premiers slashers. Les Michael Myers et Jason Voorhees sont arrivés bien après. Donc pas mal d'interviews. Des photos de tournage plutôt sympas. Dont celles-ci qui sont inédites. Mais vraiment très classe, je trouve. Voilà. Certaines jamais vues, évidemment des affiches françaises mondiales. Tout à l'heure je vous parlais de censure, donc voilà la liste des allègements du film Texas Chainsaw. Donc on peut voir qu'il y a eu quand même pas mal de cuts à l'origine. Donc pas mal d'affiches publicitaires. J'ai pas encore pris le temps de le lire parce que dernièrement j'ai pas trop le temps et je suis sur autre chose, mais ça va pas tarder et vraiment vraiment j'ai hâte. Quand je vous dis qu'il y a des superbes photos, ça annonce du très très lourd. Donc cette vidéo ne se veut pas être une critique ou autre, hein. C'est uniquement pour vous montrer ce magnifique bouquin. Voilà du script. Texas is this hour's top news story. An informant led officers of the Muerto County Sheriff's Department to a cemetery just outside the small rural Texas community of Newt early this morning. Officers there discovered what appeared to be a grisly work of art, the remains of a badly decomposed body wired to a large monument. A second body was found in a ditch near the perimeter of the cemetery. Donc ce livre uniquement disponible via le site que je vais vous donner une fois encore dans la description. Donc vous pouvez uniquement commander les deux volumes, vous ne pouvez pas dissocier le pack. Le prix est plutôt abordable pour un ouvrage de cette ampleur. C'est très abordable, donc vous avez trois éditions différentes. L'édition de luxe est déjà épuisée malheureusement. Mais vous avez une édition prestige avec une couverture cartonnée. Et la premium, donc celle que j'ai pris moi, avec la couverture souple.
Donc pour tous les fans de la saga Texas Chainsaw, bah, j'ai qu'un conseil à vous donner, c'est de vous procurer très très vite cet ouvrage. Je le répète encore une fois, le prix inclut les deux volumes. Moi, le deuxième volume est déjà réservé à retirer au Metal Store. Voilà, donc il y aura évidemment, je pense, encore une fois, une séance de dédicace. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, et à vous abonner. Ciao tout le monde.